c'est Maria Donata Durs. Je viens de Catania. Donc, je m'appelle Wolfgang, je viens d'origine d'Hambourg, d'Allemagne. Donc là, déjà avec cette de Nancy, on est très bien tombé. Il y a beaucoup de compétences, donc le travail dédié, c'est très joyeux. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent, c'est moi qui a un énorme savoir-faire. Après, Xavier, c'est aussi une personne extrêmement compétente, donc ça a énormément de ressources. Mais voilà, eux, ils ont aussi leur contrainte de l'école, ils ne sont pas. Et puis aussi, il y a un choix de ne pas faire la sublimation de les nouvelles technologies. Il ne faut pas non plus exagérer ou dépasser l'échelle qui appartient à la vision de création. Et quand on parle de relation au corps, c'est, on revient au concret, c'est qu'est-ce qu'on, comment on se relationne à ces objets-là. Si on part dans des idées complètement farfelues, mais aussi très sophistiquées ou complexes, ça, je pense que la relation se fera moins bien, moins concrètement. Ça deviendra quelque chose de séparé à nouveau, le langage chorégraphique, le langage automatisé, numérique. Là, l'envie, c'est de les mettre en relation, de les faire corrélationner, de les faire... même dans les idées chorégraphiques, j'essaie de m'inspirer à ce type de fabrication, à un type de loi numérique qui géreront les programmes de mouvement. Comment transposer ça du point de vue aussi chorégraphique? Je pense, oui, c'est très, très important de considérer ce, bon, c'est ce temps d'échange dans le montage du projet. Et que c'est, je pense que c'est un des problèmes extrêmement récurrents dans les spectacles qui utilisent les nouvelles technologies, que c'est toujours beaucoup plus compliqué de ce qu'on a cru. Et donc finalement, on passe beaucoup de temps avec les machines et on n'a plus de temps pour ce travail qui était à l'origine, c'est-à-dire de rencontre entre les machines et l'homme, finalement, que c'est. Qui pour moi, il n'y a pas une distinction nette, il n'y a pas des machines qui sont mortes et des objets qui sont, des corps qui sont vivants, parce que la machine était aussi conçue par l'homme, mais c'est, voilà, ça prend du temps de sentir l'objet, de voir ce qu'on peut faire avec et faire évoluer en fonction les programmes et les objets, et que voilà, ça c'est un vrai échange. Voilà, souvent les choses sont pensées beaucoup trop complexes, et en filmant il reste plus de temps pour la répétition, et on se retrouve avec une première où la rencontre bien se faire entre corps et objet.